Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Bruna. Je fais des vidéos sur l'entretien des cheveux, sur l'entretien de la peau et je parle aussi des sujets qui me passionnent. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la santé de notre minou. Je vais partager avec toi quelques astuces qui vont t'aider à prendre soin de ton vagin, à éviter d'avoir les mauvaises odeurs vaginales et éviter aussi d'avoir les choses comme les picotements, les démangeaisons et tout. Je rappelle avant de partager mes astuces que je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas spécialiste des problèmes vaginaux, mais je pense avoir quand même mes petites connaissances basées sur mon expérience et sur l'expérience des proches, des personnes que je connais et qui peuvent t'aider à attirer ton attention sur des petites choses du quotidien que tu peux peut-être négliger et qui ont malheureusement un impact sur la santé de ton vagin. Quand tu vis dans une maison et que tu as des colocataires, et que vous partagez la même douche, il faut faire très attention quand tu entres dans la douche pour faire tes besoins. Voilà. Il faut savoir que les gens, malheureusement, n'ont pas la même hygiène. Les gens n'ont pas la même idée d'hygiène. Il y a les gens que quand ils entrent à la douche et tout, ils font leurs besoins. C'est à peine s'ils tirent la chasse et tout. Et donc, toi, si tu arrives pour faire tes besoins après que ton voisin soit sorti et tu penses qu'il a pris le temps de penser à toi qui va venir après, il a bien nettoyé, il a bien désinfecté, tu peux te tromper. Et après, quand tu finis de faire tes besoins et que tu ressors, tu ressens peut-être le lendemain ou quelques jours après des petits picotements et tout. Voilà, je pense que les personnes qui ont eu à vivre avec, qui ont eu à partager leur appartement avec d'autres personnes peuvent témoigner de ça. C'est des choses qu'on rencontre le plus souvent quand on vit dans une maison où il y a beaucoup d'autres personnes ou alors même dans les toilettes publiques. Parce que on n'a pas la même hygiène, on n'a pas la même idée d'hygiène. Voilà, on n'a pas la même définition d'hygiène. Donc quand on est dans une maison qu'on partage avec d'autres personnes, on ne sait pas ce que les gens ont sur eux, on ne sait pas comment ils prennent soin de leur corps, on ne sait pas s'ils ont des démangeaisons quand ils entrent à la douche, s'ils ont des picotements, s'ils ont des infections, je ne sais quoi d'autre. Et quand on entre à la douche et tout, si on ne désinfecte pas bien, on peut prendre ces germes et ces bactéries que ces personnes ont laissées après avoir utilisé le pot. Parce qu'il ne faut pas penser que parce qu'une personne est entrée dans la douche pour faire ses besoins et a tiré la chasse d'eau, ça veut dire que tout est nettoyé. L'eau n'est pas un antibactérien. L'eau, c'est juste de l'eau. Voilà, l'eau ne désinfecte pas, l'eau ne peut pas tuer les bactéries. Donc, il est très important déjà, quand vous vivez dans les maisons que vous partagez avec les gens, les maisons aux toilettes communes, ayez toujours l'alcool ou un désinfectant dans vos douches. Toutes les fois où vous allez sur le pot pour faire vos besoins, désinfectez bien d'abord le pot, tout l'intérieur, les bords et tout. Désinfectez d'abord, attendez quelques secondes que toutes les bactéries et les germes qui ne sont pas visibles à l'œil nu puissent être tués, puissent disparaître. Ensuite, tirez la chasse et nettoyez avant d'utiliser. Ça va vous éviter parfois de ressentir, surtout nous les femmes ont un corps assez délicat, hein, il faut dire le vagin assez délicat, on a un corps assez sensible et tout. Donc, un petit truc, un petit, je sais pas, une petite erreur ou une petite négligence dans une maison où tu vis avec les gens, peut-être une petite négligence de ton voisin, après avoir utilisé la douche, tu te retrouves à ressentir les picotements et tout que tu n'avais pas, seulement parce que celui qui est passé avant toi n'a pas pris le temps de désinfecter et tout. Donc soyez vraiment vigilant, ayez toujours de l'alcool quand vous vivez dans la maison avec les gens. Maintenant, quand vous êtes dehors et que vous avez envie de faire vos besoins, je vais pas vous dire non, ne faites pas vos besoins, supportez et tout, vous arrivez à la maison. Les gens qui aiment souvent dire non, moi je fais pas mes besoins dans les toilettes publiques, vraiment arrêtez de mentir ma chérie. Il y a les diarrhées là, si tu as vraiment une diarrhée là, si tu as la malchance d'avoir une diarrhée qui te prend, là tu vas seulement aller faire tes besoins. Voilà. Ou alors, si tu as envie de pisser là, tu vas seulement aller pisser. Parce que plus déjà tu retiens et plus c'est pas bon aussi pour ta vessie. Donc, tout le monde fait les besoins dehors, disons la vérité. Donc, ce qu'on peut faire maintenant quand on utilise les toilettes publiques, c'est d'avoir des produits comme ça. Ça, c'est un antibactérien que tu peux acheter. Ça entre facilement dans un sac à main. Et toutes les fois où tu te retrouves dans un milieu public et que tu as envie de faire tes besoins, ou alors si tu veux aller rendre visite à quelqu'un, tu peux, avant d'utiliser, avant de te positionner sur le pot, bien désinfecter avec ça. Ensuite, tirer la chasse et mettre, si c'est que tu décides de t'asseoir pour faire tes besoins, et mettre du papier hygiénique au bord et tout avant d'utiliser. Là, au moins, tu es sûr que tu ne vas pas récupérer n'importe quel germe ou bactérie que tu n'arrives pas à voir avec l'œil. La deuxième astuce concerne les rapports sexuels. Quand tu finis d'avoir les rapports sexuels avec ton chéri,
quand le match a été très rude, la bataille a été très rude, après vous êtes fatigué, généralement ce qu'on a envie de faire c'est se reposer et tout, on veut dormir, voilà, parce qu'on est cassé, le match était tellement serré. Mais il ne faut pas directement dormir les filles. Quand vous finissez d'avoir un rapport sexuel avec votre homme, allez à la douche, uriner et aussi vous laver avec de l'eau, laver le vagin avec de l'eau. Parce qu'en urinant, en fait, ça va faire en sorte que les bactéries qui étaient remontées au niveau de la vessie pendant la pénétration puissent ressortir avec l'urine et ne pas vous créer une infection, je ne sais pas moi, au niveau de l'urètre et tout. Donc, c'est très important de pisser après avoir fait un rapport sexuel, ensuite de vous laver le vagin avec de l'eau. Une autre chose par rapport au sexe, quand vous finissez de faire l'amour avec votre homme et qu'il a versé le lait dans vous. Verser le lait, c'est en termes camerounais, c'est pour dire jouir. Si peut-être votre homme a joui dans vous après le rapport sexuel, ne vous inquiétez pas, cette vidéo a été mentionnée comme pas destinée aux enfants. Donc, on peut dire les choses, ok? Voilà. Donc, si ton homme a joui dans toi après le rapport sexuel, il faut aller te nettoyer directement. Il ne faut pas rester là, tu te couches et tout. Parce que le pH du sperme est basique. Le sperme a un pH qui varie entre 7,1 et 8. Pourtant, notre vagin a généralement, quand un vagin qui est en santé a un pH acide qui va entre 3 et 4. Donc, la rencontre entre le sperme de ton homme et ton vagin va modifier le pH de ton vagin et donc ça va faire en sorte qu'il y ait ce déséquilibre qui peut créer des infections, je sais pas moi, des mycoses et surtout te laisser avec une odeur nauséabonde. Quand vous partez faire pipi à la douche, quand vous partez faire pipi à la douche, les filles, même les hommes, ça concerne aussi les hommes. S'il vous plaît, lavez votre vagin, votre kikinette avec de l'eau. On ne fait pas pipi et on nettoie avec le papier hygiénique. En 2021, il y a encore des femmes et des hommes qui pensent que le papier hygiénique est un nettoyant. Le papier hygiénique sert à sécher l'humidité au niveau des parties intimes, mais ça ne nettoie pas, ça ne te rend pas propre. Tu ne peux pas aller faire pipi et sortir de la douche, t'essuyer avec le papier hygiénique et croire que tu es propre. Non, ma chérie, il faut arrêter ça. Ça, c'est une saleté, excusez-moi, c'est une saleté qui ne dit pas son nom. Parce que non seulement, quand tu essuies ton vagin avec le papier hygiénique, il y a encore les restes d'urine. Je veux dire, l'urine déjà a une odeur. Je veux dire, à la base, l'urine a une odeur quand même assez, je veux dire, une odeur qui se fait ressentir et tout. Donc, quand tu t'essuies, l'odeur des urines reste encore. Donc, comment ça se fait que si tu pisses peut-être 5 fois par jour, tout ce temps, tu pars pisser et tu nettoies toujours avec le papier hygiénique? L'odeur, tu réussis à supporter cette odeur comment? Donc, vraiment, les filles, quand on va faire pipi à la douche, tous les besoins que vous allez faire, que ça soit pipi, que ça soit ce que vous connaissez, utilisez de l'eau pour vous nettoyer. On se nettoie les parties intimes avec l'eau. Le papier hygiénique ne nettoie pas. S'il vous plaît, les femmes et même les hommes qui regardent cette vidéo, le papier hygiénique ne nettoie pas. Et je le dis pourquoi? Parce que bon, là, on va entrer un peu dans le côté pimenté de la chose. On va se dire les choses, hein. Et voilà, parce que c'est dommage que tu te rendes compte que des adultes, moi, j'entends souvent des gens dire, voilà, je suis allée avec tel gars et tout machin. Il y avait les cacas sur son caleçon, les femmes aussi, sûrement. Mais attends, on se nettoie avec de l'eau. Généralement, les adultes qui ont, ou même les enfants que vous retrouvez souvent avec des traces d'excréments sur leur caleçon, sont des personnes que quand elles entrent à la douche, au lieu de laver leur partie intime avec de l'eau, elles utilisent le papier hygiénique. Le papier hygiénique ne nettoie pas. C'est fait pour sécher l'eau qui reste après que vous ayez lavé vos parties intimes. Donc, c'est très important pour éviter de sentir, de mettre mal à l'aise vos partenaires et tout. Lavez toujours vos parties intimes après tout besoin à la douche. Donc, quand vous finissez de faire vos besoins, ayez une serviette. Si vous avez même une serviette que vous dédiez spécialement à vos parties intimes, ça peut toujours aller. Nettoyez bien, faites en sorte que ça soit bien sec avant de reporter votre caleçon. Ou alors, si votre caleçon, votre slip est humide, vous pouvez le changer et mettre un autre qui est sec. Parce que, faites l'expérience, si vous vous essuyez mal, hein, si vous vous essuyez mal après être sorti de la douche, vous allez revenir, vous allez vous rendre compte que quelques minutes après, vous sentez comment il y a une odeur qui commence à se former. C'est parce que les bactéries sont en train de se multiplier à cause de l'humidité. Donc, séchez-vous bien le vagin après être sorti de la douche. Les aliments qu'on mange, il ne faut pas dissocier l'alimentation du bien-être général du corps, de la peau, des cheveux. Je l'ai toujours dit sur cette chaîne,
Ce qu'on mange va influencer la santé des cheveux, la santé de la peau et même notre humeur. Ça influence tout. Donc l'alimentation, la bonne alimentation, l'alimentation équilibrée est fondamentale pour un bien-être général. Et ceci dit, il y a donc des aliments que plus on les consomme, plus on aura tendance à sentir mauvais en bas. Et il faut savoir que plus un aliment a une odeur forte, plus notre corps après va sentir mauvais. Parce que quand cet aliment va vouloir se dégrader, le corps va réagir à travers la transpiration et tout pour évacuer les déchets de notre corps. Et quand on transpire, il y a une odeur. Et toutes les parties de notre corps transpirent. Les aisselles, la peau et même le minou, surtout au niveau des bords là, des bords au niveau de l'entrecuisse et tout, et du pubis. Et donc si tu manges, si tu consommes trop, par exemple, un truc comme l'alcool, l'alcool qui déjà a une odeur forte, même quand vous causez avec quelqu'un qui boit trop l'alcool et tout, quand la personne parle, si la personne a déjà bu même seulement une bouteille de bière, vous sentez déjà au niveau de l'haleine comment l'odeur de l'alcool sort et tout. Donc modérez votre consommation en alcool, c'est très important. Parce que plus vous buvez, plus vous aurez une mauvaise odeur corporelle et du vagin. Parce que quand vous allez transpirer au niveau du pubis, ça va faire sentir votre vagin. Donc vraiment, modérez la consommation en alcool. Un autre aliment aussi, c'est la viande. Oui, la viande, surtout la viande rouge. Faites attention à la quantité, au type de viande que vous mangez. Parce que malheureusement, aujourd'hui, notre société, les aliments qui prédominent sont des aliments qui ont un très haut niveau d'acidité. Donc, plus on mange des aliments acides et tous les jours de notre vie, on est en contact avec des aliments acides. La viande, les farines, le sucre, il y a beaucoup d'aliments qui se retrouvent dans nos assiettes qui sont tellement acides et qui contribuent à ces mauvaises odeurs qu'on ressent au niveau du vagin et de notre corps. Donc, modérez vraiment la quantité de viande que vous consommez. Si vous mangez trop de viande, trop d'aliments acides, la viande est hyper acide, la viande rouge est hyper acide, vous allez vous rendre compte que vous sentez mauvais. Parce que d'ailleurs, ça a été prouvé, il y a une étude qui a prouvé que les végétariens sont des personnes qui sentent le plus bon. Parce que les végétariens, c'est les gens qui ne consomment pas la viande. Ils mangent les légumes, ils mangent les fruits, donc ils mangent tout ce qui n'est pas viande. Et ces personnes ont une bonne odeur, ils n'ont pas des odeurs nauséabondes, ils n'ont pas des mauvaises odeurs corporelles parce que quand le corps digère les aliments qu'ils ont mangés, ces aliments sont bien et tout pour l'organisme et donc ça ne crée pas ces odeurs qui mettent mal à l'aise tout le monde. Donc quand vous prenez votre bain, quand vous vous lavez avec votre gel douche, ne lavez pas votre vagin avec parce que les gels douches sont irritants, ils sont asséchants et tout, ils sont agressifs pour la peau et combien de fois même pour le vagin. Donc faites attention, si tu veux te laver, que tu veux descendre là en bas au niveau du vagin, tu peux passer légèrement sur le pubis, mais ne fais pas en sorte que le savon touche l'intérieur, la chair interne de ton vagin, parce que ça va déséquilibrer ta flore vaginale et ça va t'assécher le vagin et pourrait te donner aussi même une mauvaise odeur. Donc faites très attention quand vous lavez, évitez. Moi, ce que je conseille pour laver le vagin, c'est simplement de l'eau. Il y a des personnes qui aiment bien utiliser les gels intimes. Si vous trouvez, si vous allez voir votre gynécologue et qui vous recommande un gel intime qui a un pH qui ne nuit pas au pH du vagin et que vous trouvez bien avec, utilisez les gels intimes. Seulement, même quand le gel intime a un pH et tout qui ne déséquilibre pas le pH du vagin, on recommande de ne pas trop l'utiliser. Donc, il faut réduire les fréquences d'utilisation de vos gels intimes. Le dernier conseil que je vais donner ici, regarde les concoctions que les femmes font à la maison, les préparations qu'elles font pour nettoyer le vagin, pour le purifier, pour le resserrer. Je ne suis pas contre ça, d'accord? Je ne suis pas carré, je ne suis pas le genre de personne qui pense que la médecine moderne a toutes les solutions parce que c'est faux, d'accord? Avant que la médecine moderne ne soit décrite comme la médecine par excellence, il y a des médecines traditionnelles africaines, asiatiques, de d'autres cultures qui ont existé des années et qui ont fait leurs preuves et qui traitent même des maladies que la médecine moderne aujourd'hui n'est pas capable de traiter. Ceci pour dire, quand vous voulez appliquer des astuces de grand-mère pour prendre soin de votre minou, que ça soit pour le nettoyer ou le resserrer et tout, ou le tonifier. Les filles, informez-vous bien, s'il vous plaît, ne partez pas sur Facebook, ramassez n'importe quel conseil qu'une personne a donné, qu'elle applique à la maison et tout, et vous allez faire chez vous. Informez-vous bien auprès des anciens, faites vos recherches et tout, pour connaître les principes actifs des plantes. Parce que nos mamans,
n'allaient pas voir les gynécologues. Elles étaient en harmonie avec la nature, elles connaissaient bien les plantes des forêts, les plantes de leur environnement qu'elles pouvaient utiliser pour prendre soin de leur vagin. Donc je ne suis pas du tout contre ça. Moi je pense que si on est bien informé sur quel type de plantes utiliser pour se nettoyer le vagin, alors c'est bien parce qu'il y a beaucoup de plantes dans nos forêts en Afrique qui font bien, qui donnent un vagin vraiment bien nettoyé, bien tonifié et tout. Donc informez-vous bien, n'allez pas prendre le citron, l'ail, le cube, le persil, je ne sais pas quoi, parce que vous avez lu sur Facebook et vous venez mettre dans votre vagin sans être sûr que vraiment c'est ce qu'il faut. Généralement, ce que moi je sais de ma petite expérience, ce sont généralement les plantes et certaines écorces africaines qui nettoient bien et qui tonifient bien la femme. Donc informez-vous sur ça. Ayez la bonne information, la bonne source, si possible, demandez à vos mamans et elles vont vous dire comment elles faisaient. Mais ça n'empêche qu'il faut toujours consulter votre gynécologue pour savoir si tout va bien, si vous n'avez aucune infection. Et même quand vous n'avez pas d'inconfort au niveau du vagin, il faut toujours prendre le temps d'aller voir votre gynécologue pour faire un check-up. Donc voilà les filles, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo vous ont édifié. Je rappelle encore que je ne suis pas spécialiste et j'invite d'ailleurs, si parmi mes abonnés il y a des gynécologues ou des spécialistes du domaine, de venir nous donner d'autres astuces en commentaire, ça pourrait aider, de venir nous dire ce qu'elles pensent et tout de l'entretien du vagin, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Je serais ravie, voilà, on est dans le partage et tout. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et rendez-vous dans ma prochaine vidéo.